deuxième bus descend. Faites les vibrer. Ah, c'est trop frais, c'est grave, c'est mortel. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Mon frère Joe. Mais toi, t'es partout, toi. Faut rentrer à Poitiers un peu. Hein. La saison, elle va bientôt commencer. Hein. Bon, on savait que ça allait se passer un petit peu comme ça. On savait qu'il allait y avoir du monde. Donc, déjà, quand on est sorti de la gare à Gare du Nord, on a vu tous ces gens. C'était. Mais tu sais même pas ce qu'il faut faire. Tu sais pas s'il faut que tu t'arrêtes, s'il faut que tu avances, s'il faut que tu. Voilà, tu signes des autographes, tu prennes des photos. Tu sais pas parce que tu sais pas combien de temps la foule va durer et tout ça. Et en fait, voilà, c'est un peu un moment de magie. Après voilà, une fois qu'on est monté dans le bus, on a vu tous ces gens le long de la rue en train de nous applaudir. Et puis là, la descente des champs, c'était tout simplement incroyable. Tu roules avec un bus et puis il y a des gens qui sont là au bord de la route et qui t'applaudissent, qui des fois crient ton nom. J'ai même eu une demande à mariage avec un iPad et tout, c'était juste délirant. Et voilà quoi, les gens qui ont le sourire, qui t'applaudissent, qui te disent merci. Merci de quoi en gros quoi? Merci simplement d'avoir fait mon sport, de m'être donné à fond. Ça c'est magique parce qu'on fait du sport et on fait du basket à haut niveau, pas pour les autres, pour véritablement donner du plaisir, mais parce qu'on aime ça tout simplement. Mais quand derrière tu arrives à donner ce plaisir là, c'est juste merveilleux et ça décuple les émotions et tu partages véritablement ta passion quoi.